Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, aujourd'hui on est sur une rediffusion d'un live, donc d'un box break qu'on a fait sur TikTok. Il était tellement incroyable que j'étais obligé de vous faire un petit best-of. À la base, je voulais pas faire un best-of par live, je voulais faire un best-of par semaine, mais là il y a eu trop de dingueries, donc je suis obligé. Juste, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'avoir la version longue. Franchement, je me suis dit que ça allait être un peu abusé de mettre une vidéo de 2 heures, mais si ça vous intéresse et si vous avez envie de voir un peu vraiment tout le live de A à Z sans coupure, et bah sachez que c'est possible, donc dites-le moi en commentaire si vous êtes intéressé. Bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre votre like et c'est parti pour le best-of du live TikTok. Bonne chance, mon bana, bonne chance à toi, mon frérot. J'espère que tu as kiffé. Hop là, on retourne pour pas se spoil. On retourne pour pas se spoil, les amis. Bien évidemment, le code, je te le garde. BG, s'il y a quelque chose que t'as pas envie d'avoir, je dis n'importe quoi, les énergies, tu t'en fiches, les codes, tu t'en fiches, moi je te les garde comme ça, et ça te fait économiser de la place chez toi, parce que je sais que ça peut être encombrant. Pour toi qui m'envoie un MP sur Insta, sous la pluie, mec, elle t'a apporté. Tu t'es en train de dire qu'elle est que ça te porte malchance? Non, mec, il faut appeler le soleil en fait. Meio, Meios, comment il va? Le petit Waylord, magnifique, hein. On va revoir la. Mais vraiment, hein? Bah après, moi, je veux pas forcer. Ça va très très bien, mon Rassiaf. Feu forêve. Allez, tilton. Eh, les gars, amenez du soleil chez Pascal, là. T'es vers où, là, en ce moment? Salut, Romain. Et on commencera. Oh! Eh, ça commence bien! Et ça commence bien, mon ami. Deuxième tempête. Bon, pour l'instant, on a bien commencé. Le premier et le deuxième. Ça va aller vite en vrai. Hein. Bon, on a quand même énormément de boosters à ouvrir, donc. Le reste, je garde. Ok, et eh ben écoute, je vais prendre le réflexe de t'enlever les énergies. Comme ça t'encombre pas. Bon, je vais pas te mentir, c'est pas que moi, ça me fait plaisir de te les garder. C'est juste que bah j'ai envie de vous mettre bien, quoi, les gars. C'est mon maître mot. Sur ce mois d'août et. Et ça va être la ligne directrice de la boutique, vous mettre bien. Tu vois. Oh! Oh, mon frérot! Et je te mets bien dans tous les sens du terme. Troisième tempête argentée. Ça compte? Eh, franchement. Mais ces trucs, moi, je pense qu'ils sont méga chanceux. Je pense que. Ah, je me suis spoil. Je suis spoil, c'est blanc, mon ami. Excuse-moi. Tac, tac, tac. Bon, petit code blanc. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça veut dire qu'on va essayer d'aller chercher une traîneur galerie ou une radieuse. Allez, Fragile Eddy, du coup, on avait eu en rare. Si bien sûr c'est flou ou qu'il y a un problème de son ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Si tout est parfait, vous mettez que c'est parfait. Le petit Balbuto. Tournegrin. Allez, peut-être une traîneur. Ça serait incroyable. Hein. Ça serait. Oh mec, la reprise! Les gars, je vous ai dit, je vais vous mettre bien! Je vais vous mettre bien! Ça aussi, c'est incroyable, les amis! On va finir sur un dernier booster pour ce premier coffret. Bien sûr, il y en a un deuxième pour Bena juste après. Alors là, pas de panique, les gars, c'est pas un code noir. C'est juste que, en fait, il y avait que des codes noirs à cette époque. Et du coup, là, on voit bien que c'est un booster reprint, du coup, parce qu'il est dans le format portrait. À l'ancienne, normalement, il est en format paysage. Donc là, c'est bien un booster du reprint de points de fusion et pas un booster originel. Feuilletant, regardez-moi cette petite dinguerie d'Amiens. Ouh, BG! Ça, petite anecdote, si vous ne le savez pas. Il y a quelques jours, avec un pote, on a ouvert plein de points de fusion. On a eu deux cartes comme ça. Les deux cartes comme ça sont parties dans la soirée au prix de 1,40 €. Donc mon Bena, je te la mets de côté. Tu mets sur Card Market, tu mets 1,40 €, c'est à peu près sa cote, ça part. C'est une carte qui est extrêmement demandée par les joueurs. Donc voilà, profitez-en les amis. Bon, sauf si tu collectionnes les passes de combat, passes VIP aussi. Mais ça peut être un bon moyen de récupérer ben, un tout petit peu pour 3 fois rien. C'est vraiment des trucs qui sont très demandés. Donc profitez-en. Et malheureusement, on n'aura rien à part. à part ce pass VIP, on n'a rien eu. Allez, le petit Arsal. Passe rouge. Oh! Il y a encore une V-Star! Tu vends la display ombre ardente. Désolé, elle est pas. Alors, je l'ai déjà box break. Et pour l'instant, je ne vends pas spécialement d'items anciens. En fait, dis-toi que je ne vends pas de display tout court. Tout simplement par des soucis de rentabilité et de viabilité pour ma boutique. Voilà, tout simplement.
Je me le cache pas, aujourd'hui j'ai envie de construire quelque chose de fiable pour des collectionneurs, pour peu importe, tu vois, pour des gens qui kiffent Pokémon. Et du coup, bah en fait, c'est pas viable, financièrement parlant, de vendre des displays. Ce n'est pas viable. Donc voilà. Et tu vends de la carte à l'unité. Alors, sur le mois d'août, j'ai essayé de commencer à vendre de la carte à l'unité. Malheureusement, il s'avère que EV3 et EV3.5 étant extrêmement demandés, malheureusement, j'ai pas pu débloquer assez de budget pour avoir beaucoup de cartes. Et du coup, j'ai décidé de repousser un petit peu le début de la mise en vente de cartes. Et il y a un autre truc qui vient s'ajouter à ça. Malheureusement, si je commence à vendre de la carte, je pourrais faire beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de box break. Et j'adore ça! J'adore faire du box break! Donc pour l'instant, je repousse un petit peu mon ami. Mais j'ai quelques cartes. Donc si vous êtes intéressé par des cartes, vous m'envoyez un petit message. J'ai remarqué que du coup, vu que j'ai pas fait de live, bah ça fait trop longtemps, on s'est pas tous vu. Et c'est trop cool de pouvoir faire ça. Hop là, on enchaîne. Deuxième booster tempête argentée. Hop là. Oh! Une petite garde-voir radieux. Parce que je suis allé vraiment vite sur le premier. Hein. Avec Bana, on a... Wow, on a les têtes. Oh oui, ça commence bien. Énergie électrique. Allez, le quartier. Le Scylla. C'est bizarre dit comme ça. Hein. À part ressortir de son contexte. Oh! Oh! Je l'ai jamais eu. Les gars, je l'ai jamais eu de ma vie. Je vous jure que c'est pas une blague. Du coup, tu me forces à péter. Oh! Encore 1,40€. Alors, quand je vous dis 1,40€, c'est que ça se vend vraiment bien. C'est très recherché. Donc, voilà, ça vous prend 5 minutes à faire. Moi, j'ai un pote, il en a vendu 2. Ouais, je te jure, c'est pas une blague. Oh! La première full art! La première full art de la soirée! Une petite sucrène qui est incroyable! Oh! C'est pas Lugia, c'est O! Deuxième code noir, je rappelle d'affilée. Oh! Un petit Goupix, on prend. Oh, encore code noir. Non, mais Marion, t'as trop de chance. Hein. C'est insolent. Elle a eu 4 codes noirs déjà. Qui a 4 codes noirs, les gars? Dans le même item. Où il y a 7 boosters. Frère, Dialga. Hein. Oh! Oh! C'est très très beau ça. Non, mais regarde. Quand je te dis c'est abusé, c'est que c'est vraiment abusé. Encore code noir. Hein. Cinquième. Cinquième, et cette fois-ci, c'est sur la meilleure série. Donc là, à tout moment, il y a un braquage qui est fait. Je l'avais pas non plus. J'aime trop parce que tout le monde va pas l'avoir, tu vois, et tout le monde va dans le chat. Bah moi non plus, je l'ai pas. Moi aussi, Marion, je l'ai pas. Est-ce que tu peux me la donner, s'il te plaît? Allez, le champ en feu. Gloria, mais imagine, elle l'a en double. Ça serait insolent, ça. Parce que mec, là, il va en avoir du Astro Radieux. Oh, maman! Oh, la dinguerie! Oh la dinguerie, le back-to-back. Allez, une dinguerie. Allez, allez, allez. Allez, les gars, c'est maintenant la dinguerie. Barloche. Salut, Célia. Psychoquack, Chlorobule. Oh, c'est magnifique, ça. Ça, c'est incroyable. Petite full art. Je pense que tu vas avoir qu'un hit, malheureusement. Oh, 2 hits. Bah non, c'est cool. C'est un peu mieux comme ça, non? Vous préférez quoi quand c'est un peu plus loin ou quand c'est un peu plus près? Enfin, un niveau quali et tout, c'est mieux. Oh, un Pika. Oh, Mima, c'est incroyable ça. Et on n'a pas le temps d'apprécier qu'on file sur le prochain booster pour peut-être faire un back-to-back. Et back-to-back, on n'en fait pas beaucoup. Mais ça fait plaisir quand ça arrive. Allez, l'arôme captivant. Le Eoko. La Poreille. Ce Paul. Oh, oh, maman. Oh, c'est incroyable. Encore une trainer galerie exceptionnelle. Un back-to-back réussi, mon pote. Il reste un étincelant. Oh là là, encore code noir. Ça fait plaisir, ça. Ouais, sac. Ouais, je crois que la machine, elle est en marche. Hein. Ah là, c'est finito. Hein. Là, on s'arrête plus. Marion, t'as combien de milliers de doubles? Oh! Oh Lugia! Oh Dracofeu! Oh Dracofeu! S'il te plaît, Dracofeu! S'il te plaît, Dracofeu! S'il te plaît! Dracofeu V alternatif. S'il te plaît.
S'il te plaît. Oh, c'est le drac au feu foulard, ton prend. Magnifique. Oh là là, j'y crois même pas. Mais mec, mais wesh. Oh là là, la dingue. Pokémon, ils adorent mettre... Enfin, en fait, il y a des ratios cachés dans Pokémon. C'est pas marqué explicitement, mais... Je t'ai parlé de Nymphalie et de Noctalie, mais il y a le petit Evoli qui fait plaisir. Bah, il a eu l'une des deux pires ETB du truc. Oh! Oh, mon petit Mew, il est là! Alors, c'est pas l'alternatif, mais c'est quand même un Mew, donc on prend, bien évidemment. Le petit Barloche, Scalpion, Evoli, Scareno, Teddy Ursa. Et c'est beau, ça! Eh, c'est très très beau! Non mais par contre là, vraiment la coffrée de fou. Allez Marion, du coup, bonne chance. J'espère que ce petit bonus te portera chance. Hop. C'est le Kev, Lockpin, Toxi. Allez, imagine. Oh, c'est très 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 bien. C'est le retour de vacances. Oh, ça commence avec un code noir. Moi je me rappelle qu'on s'était quitté. T'avais beaucoup de luck. Est-ce que la luck est toujours là? La réponse dans un instant. T'as celle des briques de lait que tu as ouvertes? Ah mais oui, en plus de ça, oui, je suis bête. Ah mais bien évidemment, je suis... Non mais Marion... Marion, c'est incroyable, t'as raison. Oh! Mon frérot, la chance t'a suivi. Allez, on continue. Sika, Marie Boucher. Eh, franchement, Goku, t'es bien, là. T'es bien, mon frérot. Oh! Oh! Oh, la dinguerie. Oh, la dinguerie, le Clamiral Gold. C'est déjà la fin de ce best-of. J'espère que t'as kiffé. N'oublie pas ton meilleur like si c'est le cas. Et n'oublie pas de me dire en commentaire est-ce que tu veux les versions longues sur cette chaîne YouTube. Et comme d'habitude, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Ciao, ciao.